La tempête tropicale Erika, qui inquiète fortement les météorologues américains après avoir fait 4 victimes sur l'île de la Dominique, se dirige vers Haïti, mais pas avec la même intensité, puisque le système est désorganisé. En prévision de son passage, le gouvernement annonce avoir pris tout un ensemble de dispositions afin de protéger la population. Donc c'est ça que fait depuis hier, mon système là, nous t'es lancé. Et au niveau de vigilance orange par rapport à cyclone ça. Au niveau de vigilance orange par rapport à cyclone ça. L'air lancé intensité vigilance ça, ça veut dire nous attendre à des impacts violents qui varient de violents à très violents. Donc c'est peut-être ça et on a demandé tout le monde pour toujours être veatif, pour être vigilant et montrer toujours très responsable pour abriter quand on est dessus. Par rapport à l'inondation, glissement de terrain, éboulement, et puis à gros vent sous l'embéa, gros vague l'embéa, et d'où est bon par rapport à passage et cyclone ça. Donc toute région dans le pays, hein, d'où est supposé être très mobilisée par rapport à cyclone ça, parce que toute région est concernée par rapport à coup d'appui, et puis par rapport à coup de vent, tout. Si vous habitez dans une zone malépendue, si vous habitez dans une ravine, si vous habitez tout près en cours d'eau, si vous gagnez pour aller dans la plage, tout, notamment d'eau, font-y camper pour journée aujourd'hui, pour éviter que vague l'embé pas voter et que vous gagnez un problème. Nous demandons tout pour nous sécuriser tout ça que vent a voté. Tout ça que vent a voté, ni la caille nous. Nous demandons tout. Pour toute antenne, pour magistrat, prendre disposition pour être capable de sécuriser ou descendre. Toute antenne, toute enseigne, toute bitball. Parce que ça, tout ces deux bagailles qui sont capables de blesser les gens et même tuer les gens. Donc, ça, tout, c'est un gros risque lié pour la population. Magistrat, à jouer un rôle pour être capable aider pour antenne, enseigne, nous descendre. Nous demandons pour nous décrocher toute bagaille qui loue, qui la caille nous, pour ne pas tomber sous tête nous ou sous tête si monde qui la caille nous, pour si gen vent. Fenêtre pour nous ta boucher, pour éviter que vent, force vent, cause des problèmes la caille nous. Nous connaissons tout, bête yo, yo important pour nous. Mais l'école poil ouvert, évitez pour bête nous, nous pas perdre. Marée en lieu sûr, même gens nous-mêmes, nous cherchons côté pour nous abriter nous, cherchons côté qui surtout pour nous abriter bête, parce que pour nous pas trouver que nous fait on perte. Toute équipe d'intervention est mobilisée. Et est mobilisée sous direction comité communal. Comité qui est dans chaque ville de protection civile. Nous avons identifié des abris provisoires pour les gens que Caillou a crasé, pour les gens qui vont côté pour y aller. Nous avons 1966 abris provisoires dans le pays. Qui a recevoir à peu près 340 407 personnes. Et tout pas pour activer, mais dès que cyclone dans rivière au besoin n'a ouvrir pour mon yo ka arriver prêter et passer mauvais temps ça. La principale préoccupation c'est que nous pas gain des pertes en vie humaine. C'est que moun pas mourir à l'occasion cyclone. On a dit que c'est le risque haïtien déjà activé puisque dès que on a activé automatiquement c'est le crise et quoi rouge haïtien activé et tout comité régionaux Roi Rouge, nous avons 14 comités régionaux qui couvrent tout le pays, hein. Tout comité local Roi Rouge, tout particulièrement ça qui est dans le Grand Orio, côté tempête la supposée faire, et avec des puissants, tout le comité SAO déjà mobilisé complètement et toutes dispositions prennent au niveau de stock, nous faisons évaluation stock nous, pour ces populations, bien protection civile, demander assistance, Roi Rouge pour nous déjà prêts. Et même nous avons des équipes de sauvetage qui, en cas de nécessité, peuvent intervenir.
on dit tout la police nationale d'Haïti mobilisée, donc que ce soit à Port-au-Prince dans les villes de province pour capable intervenir en cas de problème. Et il y a là pour accompagner, notamment convoi qui va aller dans les villes de province surtout. Et puis il y a là tout pour capable accompagner le monde qui est capable de déplacer pour aller dans les abris provisoires. Donc au niveau de transport, donc il y a un travail qui a fait tout au niveau du ministère des Travaux publics, Transports et Communications, qui est déjà à pied d'œuvre un peu partout dans le pays. Hein. Et pour sapeurs-pompiers qui est déjà mobilisé, tant à Port-au-Prince et aussi dans les villes de province, sapeurs-pompiers professionnels, mais aussi des sapeurs-pompiers qui peuvent porter secours dans le cadre de situation ça, qui est arrivée en Haïti. Donc c'est l'ensemble du gouvernement avec tout partenaire qui est mobilisé et pour en occasion passage tempête tropicale Erika sur Haïti. Donc c'est la grande mobilisation au niveau de toutes les instances gouvernementales et en ce qui concerne ce dossier. La rencontre prévue pour ce vendredi 28 août entre le Conseil électoral provisoire et les groupements partis politiques a été reportée. La raison de ce report serait due au fait que les informations faisant partie de l'agenda de la rencontre ne sont pas disponibles. Il s'agit de l'ensemble de la documentation sur les cas de violence enregistrés le jour du scrutin du 9 août et également des informations relevant des instances contentieuses du Bureau électoral départemental BCED et du Bureau du contentieux électoral BCED. A rappelé que l'agenda se portait sur les corrections à apporter dans le scrutin du 9 août dernier, la période de la campagne électorale et la gestion des mandataires des partis politiques. Affaire Jackie Lumark, la protectrice du citoyen dit avoir reçu récemment une plainte du concerné. En marge de la conférence à l'occasion de la Journée internationale des victimes de disparitions forcées, Florence Elie a fait savoir que l'OPC a pour devoir de protéger les droits du citoyen au cas où ils aient été violés. Nous là pour nous faire courroie de transmission entre société civile là, qui gagne un service public pour au Bali, parce que nous payons taxes. C'est nous-mêmes, dans la société civile, là, qui payons tout le monde qui travaille pour l'État. Donc, nous là, pour nous porter doléances surmontées. Mais si doléances surmontées, il n'y a pas de descente. Et il faut comprendre tout que nous c'est une institution non contraignante. Nous pas gagner pouvoir pour nous bailler l'ordre. Nous bailler recommandations, nous faire propositions, mais nous pas qu'à bailler l'ordre. Donc, notre travail s'arrête là. Nous avons réitéré proposition, nous avons réitéré, renouvelé recommandation, mais malheureusement, c'est ça institution là pour le faire et c'est ça seulement que nous avons fait. Le pont de la Croix des Missions est temporairement interdit à la circulation en raison de problèmes de structure, annonce le ministère des Travaux publics. Des travaux vont être lancés pour remédier à ce problème, précise le ministre de la Communication, Rothschild François Junior. Entre-temps, des embouteillages monstres sont observés en plaine suite à la fermeture de ce pont vieux de plus de 50 ans. La Journée internationale des victimes de disparitions forcées, c'est ce dimanche 30 août. En prélude à cette journée décrétée par les Nations Unies, Devoir de mémoire Haïti a organisé ce vendredi une exposition de photos des personnes disparues dans des circonstances troublantes dans le pays. Selon les responsables, cette activité avait pour objectif d'honorer la mémoire de sa victime. C'est à travers une exposition de photos que la mémoire des victimes de disparitions forcées a été honorée ce vendredi au Centre œcuménique des droits humains. Une initiative de l'organisation Devoir de mémoire qui vise à rappeler à la population haïtienne le nom de tous les disparus, notamment ceux du 26 avril 1963. Marie-Marguerite Clérier a perdu son père dans ces conditions. Pour elle, ces événements resteront toujours gravés dans le cœur des membres de sa famille et d'autres. La responsable nous livre ses sentiments. Journée internationale du souvenir pour les personnes disparues, c'est pas pour une période donnée, c'est pour toute personne disparue, quelle qu'en soit la raison, parce que c'est un droit
qui leur est ôté droit mon son citoyen li gen droit à sa vie, li gen droit à sa protection, etc. Et aucun gouvernement en fait de nos jours ne connaît ça. C'est, la vie ici n'a pas d'importance. Yo prend mon n'importe qui gens, yo disparaît, yo jeté, yo pas même fort honneur ou mettre tout corps comme ça au tacab crier mon fait même pas ça pour cap construire un futur. Une longue liste non exhaustive a été affichée afin de permettre à tout un chacun de rappeler qu'il ne s'agit pas de cas isolés. Selon Marie-Marguerite Clerier, de telles pratiques doivent cesser et les auteurs doivent être punis pour leurs crimes et leurs souffrances infligées à de nombreuses familles. Aujourd'hui encore, elle se souvient. Nous connaissons douleur, nous connaissons souffrance, nous connaissons salier lorsque victime de disparition forcée. Nous connaissons qui ça le fait en termes de déviation, de destin. Douleur, pas de fin. Souffrance, là, pas de limite. Là encore, il toujours fait mal. Et nous avons nous accorder importance que situation ça mérite parce que son réalité que pays d'Haïti a vive, quelle que soit zone géographique ou les milieux sociaux qu'on apprend là dedans, gen moun jodi an qui en attente encore, capitaine maman yo, papa yo, petit yo, frère yo. Et m'pa konn si m'ta mande une fait une réflexion ça, si nous ta ka mette dans place moun sa yo pour nous ta ka imaginer douleur moun sa yo qui jodi a encore en attente. Notons que le monde entier commémore également la date du 30 août décrétée Journée internationale des personnes disparues par les Nations Unies.